Le sapin de Noël. Une histoire de Gabriel Vincent. Oh Ernest, le beau petit sapin. Il est tout tordu, Célestine. Viens. C'était une plantation de sapins de Noël. On l'a laissé là parce qu'il n'est pas beau. Mais c'est pour ça que je l'aime, Ernest. Célestine, cette année, pour Noël, tu peux choisir tout ce que tu désires. Tout. Un vrai rayon avec tous tes amis. Je peux choisir, Ernest, tout ce que je veux. Alors? Je sais ce que je voudrais, Ernest. Un vrai Noël dans la neige. Près de mon petit sapin. Mais tu peux choisir tout ce que tu veux cette année, Célestine. Tout. Eh ben oui, c'est ça. Célestine, nous referons la promenade. Nous reverrons le petit sapin. Une vraie fête, Célestine. Une fête avec tous tes amis. Des cadeaux, des vrais. Des chapeaux qu'on achèterait. De vraies guirlandes, des gâteaux et tout, des 10. Qu'est-ce que tu as? Célestine. Célestine? Tu es déçue, Ernest? Moi, Ernest, moi, je voudrais un Noël dans la vraie neige. Avec toi, Ernest. Toi et moi tout seul. Rien que nous deux. Des bougies qu'on peut allumer. Des vraies étoiles. Dis-moi oui, Ernest, dis-moi oui. Bon, d'accord. Tu auras ton Noël dans la neige. D'accord. On pourrait même manger dehors, faire un feu de bois. Oh oui, Ernest! Et quoi encore? Cherche bien! Moi aussi, j'ai rêvé d'un Noël dans la neige, quand j'étais gamin. Raconte, Ernest, raconte-moi tout! Je t'appelais Ernest, qu'est-ce que tu fais? J'écris des lettres. Des lettres? Ça sent si bon. Tu prépares des gâteaux? Il faut dormir, Célestine. Cher Vladimir, rendez-vous le 24 à 10h. Nous serons, Célestine et moi, là où ils ont coupé les sapins de Noël, sapinière de Léon. Nous boirons un verre et après, nous fêterons Noël chez nous, avec des tartes, du café et tous les amis. Ernest. Cher ami, venez avec les enfants le 24 à 10h à la clairière, sapinière de Léon, où il y avait les petits sapins de Noël. Après, nous mangerons des tartes à la maison. Ne rien dire à Célestine, c'est une surprise. Ernest. Cher Clément, viens au rendez-vous avec ta femme et les enfants. Le 24 à 10h, à la sapinière de Léon. Nous y serons. Nous nous réchaufferons après chez moi. Il y aura des tartes et du café. Ne dis rien à Célestine. Ernest. Vite! Il ne faut pas qu'elle se doute de quelque chose. Ernest! Où es-tu? Je t'appelais! Nous ferons tout ce que tu as dit, hein, Ernest. C'est promis. À nous deux? À nous deux. Au lit maintenant, Célestine.
regarde, tous ces gens qui arrivent. On n'est pas tout seul. Pourquoi? Nous reviendrons ici demain, Célestine. À nous deux, c'est promis. À demain, petit sapin. Ernest me l'a promis. Maintenant, c'est à ton tour, Ernest. Raconte-nous les Noëls de ton enfance. Quand j'étais petit, dans ma famille, le jour de Noël... Célestine, mes plus beaux souvenirs de Noël sont les souvenirs de Noël avec toi, depuis que tu es là. Demain, nous retournerons près de ton petit sapin, à nous deux. Rien qu'à nous deux? Rien qu'à nous deux. C'est fini.